Hello, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien, que mon micro est bien allumé. Est-ce que vous m'entendez bien dans le chat? Dites-moi. Bonsoir Clémence, bonsoir Alex, bonsoir à ceux qui sont là. Je vais ouvrir les commentaires. J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes en forme, que vous avez passé de belles fêtes. Très bonnes, pardon, et heureuses années à tous. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première UI review de l'année du challenge numéro 34. Déjà, qu'on va regarder à partir de l'application. Donc l'application qui a un petit peu bougé, qui va continuer à évoluer. Ouais, j'ai fait des petites retouches graphiques récemment. Si vous avez fait gaffe, je ne sais pas, si vous avez fait attention, j'ai refait un petit peu le site aussi de JK4OS, donc un petit lifting. Alors j'ai mis une résolution de merde sur mon écran là, du coup, il n'est pas terrible. Mais voilà, j'ai fait un petit lifting graphique, c'est en cours, donc je fais ça quand j'ai le temps. Quoi dire sur les nouveautés? Bah, du coup, il y a les workshops que j'ai lancés en live. Là, j'ai fait la première session ce matin qui s'est très très bien passée sur les bases de Figma. C'était vraiment chouette, tellement chouette que du coup, on a programmé une deuxième avec eux parce qu'on n'a pas eu le temps de tout faire. Il y a vraiment eu voilà, pas mal de questions et tout. Ça s'est très bien passé. Donc à terme, je vais enregistrer ces formations, je pense, pour que tout le monde puisse en profiter. J'ai refait un petit peu voilà, les pages avec les super illustrations de Mohamed qui nous a fait plein d'illus magnifiques. Et voilà, je découvre plein de petits bugs quand je suis dans une mauvaise résolution. Donc voilà, je vais corriger tout ça. Mais voilà, le nouveau site, n'hésitez pas à y faire un tour. Et puis l'application, pareil. Donc je ne sais pas finalement si j'aurai le temps de faire la feature pour participer en équipe ce mois-ci, parce que c'est pas si facile que ça. Mais en tout cas, je planche dessus. Mes priorités au workshop pour l'instant sur KKOS. Donc voilà. Ce soir, on va se retrouver avec les participations de. On en a 5. Hop. Ah oui, ce qui me fait d'ailleurs dire qu'il y a un participant qui m'a envoyé par mail parce que je venais la chercher. Pendant que je meuble, voilà Cyril qui m'a envoyé ses participations tout à l'heure. Ah bah, du coup, on va commencer par lui. Et ça va s'ouvrir dans Figma, parfait. Ouh là là, il y a du boulot en plus. Donc le thème de ce challenge 34, c'était calendrier de l'Avent personnalisable. Il y a eu des super idées. Donc bravo à tous, plein de bonnes choses. C'était vraiment chouette. En tout cas, tous les protos qui ont été produits. Donc les kick-offs ont disparu d'ailleurs. Donc il faut que je supprime ce bloc, je vais m'en occuper vite. Et on va attaquer avec le proto de Cyril qui, du coup, s'est ouvert dans mon Figma. Allons-y. Hop, ça, c'est autre chose. Alors, Cyril m'avait envoyé deux liens. Est-ce que j'ai bien tout ouvert? Et yes, il me semble que oui. Alors, il y a un travail incroyable déjà, Cyril, de UIKit. Bravo. Donc pas de design system, hein, ça c'est pas un design system, mais c'est en tout cas un très beau UI kit. Bravo. Alors attention, on n'utilise pas de noir 100%, donc dièse 0,0,0, pour la simple et bonne raison que les téléphones portables et les écrans fonctionnent sur deux technologies distinctes qui sont le LCD et le OLED. Et ces deux technologies ne gèrent pas les noirs de la même façon. Ça veut dire que, alors, je sais pas, je me plante. Il me semble que c'est le OLED qui allume et éteint les diodes et que le LCD, lui, colorise les pixels vraiment en noir. Et donc, du coup, la profondeur du noir n'est pas la même entre le OLED et le LCD. Et c'est pour ça que généralement, on déconseille d'utiliser du noir à 100%. C'est plus dur au final à traiter pour une machine qu'un code hexa supérieur. Typographie, première étape, style de paragraphe et tout. Quel typo est-ce que tu choisis? Roboto, ok. C'est top, hein, Cyril, tout le travail que tu as fourni, en tout cas, c'est incroyable. On va le regarder. Alors, j'aime bien regarder les prototypes à plat avant de les regarder en mode prototype. D'ailleurs, je vais masquer la UI. Shift, Option, Commande, slash sur Mac. Voilà, et vous masquez la UI, comme ça, on aura un petit peu plus de place. Est-ce que je peux le manipuler? Non, je peux pas. Il est bien ce bloc, et puis c'est bien vu au final d'aller rattraper la typographie avec la couleur de fond. C'est pas choquant au final, parce que la synthèse des deux se fait plutôt bien. Peut-être qu'il est un petit peu haut, il n'est pas bien aligné horizontalement. Donc ça mériterait peut-être un tout petit peu plus j'allais dire d'homogénéité au niveau de l'image.
Peut-être que tout est un peu gros. Enfin voilà, peut-être un petit recadrage à faire sur l'image. Je pense que c'est un fichier vectoriel, je ne sais pas. Mais voilà. Et pourquoi est-ce que créer mon calendrier, du coup, ce n'est pas ici dans ce bloc? Ça se fait quasiment pas les CTA comme ça, à cheval sur un Hiro et la section du dessous. Et du coup, ça me fait dire que je pense qu'il perd un petit peu son intérêt, alors que s'il était ici. Tu lis le texte, tu as la promesse avec le paragraphe de Hiro et ensuite le CTA. Et bam, du coup, on est dedans et tout de suite, ça donne envie de cliquer et de créer mon calendrier. Puis limite, tu pourrais rajouter un deuxième CTA, genre découvrir et c'est une pop-up qui s'ouvre. C'est pas ouf, mais quelque chose qui montre à quoi ça ressemble. Et puis là, du coup, tu tiens ton utilisateur. Mais sinon, en tout cas, le choix du vectoriel est très sympa. La couleur ici n'est pas forcément hyper lisible. Alors ça tient aussi à la typo, je pense, mais ouais, franchement, c'est un peu dur à lire. Dans ce cas-là, moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de jouer simple et d'utiliser du noir, enfin du gris 90, mais voilà. Et est-ce que c'est bien aligné? C'est bien aligné. Donc ça, bravo. Ok. Premier étage, choisissez un thème pour votre calendrier. Joyeux Noël, fête de fin d'année. Donc là, même si l'intention est bonne, en fait, tu t'arranges avec le choix iconographique. Ça veut dire que tu as calé ton texte à gauche, ici il est centré, et du coup il y a une disparité entre les deux blocs que je trouve un peu bizarre. À mon avis, la solution c'est juste de centrer ce texte comme tu l'as fait ici dans le bloc et juste de décaler ton buis ou je sais pas ce que c'est, tes épines vraiment à droite pour qu'il en fait il y en ait un tout petit peu, et puis c'est pas grave. Là en fait, cet élément là végétal est trop prépondérant. Je vais zoomer dessus. Pour qu'on voit bien l'écran. Voilà, c'est trop prépondérant et tu devrais le décaler plus. On va à la droite, vous voyez gauche parce que ma caméra est inversée. Mais voilà, juste laisser un tout petit bout de détail en fait, comme ça. Comme tu l'as fait ici, regarde la place que ça prend. Ça ne devrait pas prendre plus de place ici. Donc il y a juste un petit problème d'homogénéité entre ces deux blocs. Choisir un thème, importer une image. Et là, du coup, j'ai deux CTA qui envoie vers deux actions différentes qui sont traitées de la même façon. Il y a un petit problème de compréhension UX, on va dire, sur ce bloc où je trouve qu'il manque un peu de clarté. Très bien vu ces petits trucs derrière. Je me demande s'ils n'auraient pas été mieux, genre Merry Christmas, tu vois, ici en bas à droite pour aller fermer le bloc en plus petit, que ça soit pareil, un peu moins imposant dans ce bloc pour que vraiment on puisse se concentrer sur les cards. Et après tout, le but, c'est ça, c'est que l'utilisateur. Clic. Du gris 90, oui, quand je dis du gris 90, Muriel, c'est bonsoir à tous qui nous ont rejoints. Manon, Muriel. Quand je dis du gris 90, ça veut dire une teinte genre dièse 1-1-1, 2-2-2, enfin voilà. Une teinte qui soit pas du noir, du dièse 0-0, 100%. Deuxième étape, personnaliser votre calendrier. Ok, donc là, il me semble que tu as collé ça. Ouais, donc attention à respecter tes marges aussi, Cyril. Ouais, là, ta shape est à 100%, donc tu vois, tu as quand même des marges que tu as créées ici, que tu as toujours bien respectées d'ailleurs, à peu près. Non, en fait, ça me fait dire que c'est pas très bien aligné d'ailleurs. Alors, j'ai pas la main sur. Est-ce que je peux créer des formes? Non, je peux rien faire. Hein. Je vais faire un Ask to Edit. Si jamais tu me regardes et que tu es devant ton ordi, donne-moi accès, sinon, c'est pas grave. Mais en gros, voilà, si je traçais une ligne. Pour les margins ici, c'est vrai qu'ici le bloc n'est pas forcément bien aligné, il serait plus ici. Les icônes, pareil, voilà, ça manque un petit peu de marge. Si je dézoome, pareil, en fait, je ne l'ai pas dit, mais ici, voilà, on est très à ras. Donc attention aux margins, c'est la base hein, du web design. C'est un peu le but de l'exercice aujourd'hui. C'était de faire ça. D'ailleurs, j'en profite, on a supprimé les notions de trois briefs. Parce que, en fait, je pense que c'était trop compliqué, que les gens n'ont pas tout à fait compris. Donc, on va revenir à l'ancienne formule du challenge. Vraiment, c'est juste trois écrans à faire. Ceux qui veulent le faire plus en font plus. Et ceux qui ne font que les trois font les trois. Il n'y a aucun souci. Donc, étape 1, étape 2, étape 3. OK, tout ça, c'est bien aligné. Mais c'est un peu cassé par ce gros bloc. Ce que tu pourrais faire, par exemple, c'est mettre un gros background de couleur. Là, ça viendrait un peu casser la monotonie de la page parce que tu as mis une photo en BG et je trouve que pareil, en fait, je me demande si un background blanc, ce serait pas suffisant. Tu vois, en le regardant, je me dis que c'est assez chargé. Donc voilà, peut-être supprimer l'image de fond, réduire la taille du calendrier. Pardon, ce bloc. Ah oui, c'est ça, Shift 1. Shift 1 pour dézoomer. Troisième étape, personnaliser vos cases.
Ça, c'est bien vu, ça marche plutôt bien. Je pense qu'en fait, tu pourrais synthétiser ces trois étapes pour que ça soit un petit peu plus. Pour qu'on rentre un tout petit peu plus dedans, mais franchement, globalement, en tout cas, je vois qu'il y a plein de règles du design qui sont acquises et qu'il ne manque vraiment pas grand-chose, honnêtement, Il manque vraiment pas grand-chose pour que ça marche. Complètement. Et ici, un petit footer, ton calendrier est prêt. Ok, super. J'étais en train de me dire, j'ai pas enregistré la session, mais je crois que c'est enregistré automatiquement par le logiciel. Ok, donc là on a le découpage. Donc je vais passer en mode prototype. Alors je vois. Ah ok, t'as fait ça par bloc. Ok, c'est une façon de faire. Ah, je vois que sur le proto. Est-ce que. Ah oui, j'ai la main. Merci Cyril. Super. Bon, bah, je vais bouger 2-3 trucs. Oh, magnifique! Vous avez vu ce petit gif et toutes ces animations, c'est chouette ça. Bravo. Donc ok, donc je pense que c'est un gif, effectivement, quelque chose que tu as récupéré. Top, hyper bien vu. Hyper, hyper bien vu. Ok, donc le fond est. On est sur une espèce de parallaxe. C'est quoi? C'est un renne? Ouais. Bon, c'est un peu chargé. Un peu chargé. En plus, tu mélanges plein de styles. C'est-à-dire que tu mélanges de la photographie en fond, tu mélanges ici du vecto. Donc voilà, il faut un petit peu choisir ses combats. Il me semble que, je regarde tout à l'heure, il y a une ombre portée derrière les textes. J'aime pas tellement ça, j'avoue. Par contre, tout ce composant là, quand je le vois comme ça, il est vraiment super chouette. Forme des cases et tout, ça c'est top, t'as prototypé tout ça, bravo. Style de numérotation, hyper bien vu, tout ça. Hyper, hyper bien vu, bravo, avec les petits hovers et tout. C'est hyper chouette. Hyper, hyper chouette. Je ne sais pas si je traiterais les voix plus comme des CTA. J'ai toujours du mal avec ces interactions au final qui sont pas. Enfin, si, elles sont importantes, mais je préfère traiter ça comme des liens ou comme des boutons secondaires avec juste un border. Mais ça ne mérite pas pour moi les voix plus. Ça vient casser vraiment tout le bloc qui est plutôt simple, qui est plutôt joli. Et je mettrais ou juste un lien ou juste un bouton, tu vois, avec un arrondi sans fil, donc juste avec une border. Et je pense que ça marchera très bien, Cyril. Troisième étape, personnaliser vos cases. Ok, donc là, on a une petite ombre interne sur chaque numéro. Découvrir. Modifier. Oula, alors, je ne sais pas ce que j'ai fait. Il est très beau cet écran aussi, il est très sympa. Avec les petites animes et tout, ça c'est bien vu tout ce que tu as fait. Donc, ouais, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Donc, bah, si j'ai la main sur ton fichier, on va juste parler 30 secondes du respect des marges, comme ça servira à tout le monde. Je vais dupliquer pour pas tout casser. Donc, Cyril, si je prenais ton design, en fait, l'idée, c'est de se dire que mon design va tenir dans un container. Un container, c'est la largeur maximale de mon site. Je vais prendre 1200 pixels. Ce qui est plutôt grand, hein. Voilà. Et si je centre ce rectangle avec option H, Align Horizontally, est-ce que c'est bon? J'ai 120 à gauche, j'ai 120 à droite. Voilà. Ça voudrait dire en fait que tout ton contenu doit tenir là-dedans. Donc ça, hop. Ici, ces icônes-là, est-ce que tu les as mises en space between? Non. Ok. Et voilà. Et en fait, le layout de ton site, ça serait plutôt ça. Je vais faire ça très à l'arrache. Avec la touche K. Mais voilà. Et c'est surtout sur ces blocs-là où ça respirait un petit peu mieux. Et tu vois, sur ce genre de blocs, les trucs qui marchent bien, généralement, c'est, par exemple. Alors, pardon, hop. C'est un peu petit, mais bon, un petit peu plus gros. Mais si tu veux aller casser un peu la monotonie, ce qui peut être sympa, c'est ça. Et est-ce que tu as créé des styles? Je prends n'importe quelle couleur, hein, surtout pas ça. Voilà, ça, c'est des trucs qui marchent. Après, je te laisserai fouiller un petit peu, tu vois. Mais peut-être pour rendre le design un tout petit peu plus dynamique.
Ouais, donc tu vois, les ombres portées sur les textes, c'est un truc qui est un peu old school qu'on fait plus tellement. D'où est-ce qu'elle vient d'ailleurs? Je vois même pas. Comment est-ce que tu as fait ça? Bon, je te laisserai regarder, mais en tout cas, Cyril, c'est vachement bien. Bravo. Attention à ces blocs aussi. Voilà, quand je te disais, tiens, je vais juste vérifier ce que je te disais tout à l'heure. Est-ce que si je fais ça, donc Shift EH pour faire un. Alors merde, du coup, la typo sera à l'envers. Ouais, tu vois, rien que ça. En fait, je trouve que ça. Bah, ça enferme et ça emmène plus une direction. Tu vois, si je faisais ça et qu'ensuite j'allais tracer une ligne. Hop, Shift L sur Figma. Voilà, en fait, ça emmène plus mon œil vers le contenu. Et du coup, je trouve que c'est pas mal et que ça marche mieux. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Salut Anto, salut. C'est Tanguy, il me semble. Ouais, moi, je connais pas tous vos blazes sur Twitch. Donc voilà, Cyril. Tu vois, ces deux, les flèches que j'ai tracées, elles emmènent vraiment vers les blocs. Et donc, n'oublie pas qu'on lit en Z et que vu qu'on lit en Z, on va faire. Je vais essayer de le retracer à la plume. On va faire ça. On va retomber ici. Bam. Bam. Donc voilà. Donc le web design, c'est vraiment un ping-pong et c'est juste de la lecture de zone. Donc n'hésitez pas à être rigoureux là-dessus. Bon voilà, je t'ai un peu massacré ton proto. Non, je l'ai fait à côté, c'est bon. Donc voilà, Cyril, mais bravo. Très chouette. Tout ce qui a été fait en tout cas. Et ça marche très très bien. Tu as prototypé plein de petites choses. Après, voilà, moi c'est ce que je dis tout le temps. C'est bien de faire du prototype et tout. Mais c'est bien aussi de se forcer à être rigoureux dans. Pardon, ça sert à rien à voir, de se forcer à être rigoureux dans la manière dont vous, j'allais dire nommez vos éléments, mais là en l'occurrence c'est très bien nommé dans tes calques, donc bravo, mais c'est un truc que je regarde toujours. Donc voilà Cyril, en tout cas il y a plein de choses que tu as super bien comprises et c'est incroyable tout le travail que tu as fourni. Donc tu m'enverras ton adresse et je t'enverrai un t-shirt. C'est t-shirt pour tout le monde, j'ai décidé pour cette review, vous n'étiez pas très nombreux. Donc voilà, n'hésitez pas à envoyer un petit message sur Slack pour me donner votre adresse. Et Tanguy, le tien arrive, promis, je vais à la poste demain puisque je sais que tu es là. Allez, continuons après le prototype de Cyril. On va s'attaquer à Muriel qui est là. Bonsoir Muriel, j'espère que tu vas bien. Alors. Hop. Ah oui, alors Muriel qui a fait un taf énormissime aussi, donc on va aller regarder. Donc avec tout un user flow, je vous laisserai aller voir son prototype et tout le travail qu'elle a fourni. Donc motivation, trouver un calendrier digital à offrir à un ami, le créer, aller sur le site, choisir le produit, choisir le layout, les couleurs, les musiques, etc. Créer, ajouter au panier, montrer le panier, validation paiement, order confirmation. Ok, donc voilà, donc en termes de flow, c'est le flow, on va dire, dans sa globalité, c'est très bien. Flow chart example, donc ça c'est autre chose. Donc bravo Muriel pour tout ce taf, c'est cool. Summer Journey. Voilà, merci, bravo, et puis d'avoir fait des personas du. Actions, experience, opportunities. Donc voilà, je vous laisserai aller découvrir le prototype accessible sur l'application. Ça, c'est quand même cool avec cette nouvelle app. Donc je vous laisserai découvrir tout le travail qu'a fourni Muriel. Alors vu que tu es là, Muriel, là, tu n'as pas fait la landing, il me semble. Ça, c'était ce qu'on avait fait en kick-off. De rien, Cyril. Muriel, aide-moi, je trouve pas ton design, je l'ai vu tout à l'heure. On va regarder comme ça. Non, c'était vachement bien, Cyril, en attendant que Muriel me réponde. C'est vachement bien tout ce que tu as fait. Après, voilà, c'est vraiment juste de la pratique, hein. La user interface, ce n'est que de la pratique. Instruction niveau 1. Donc ça, c'était niveau 1, la landing. Est-ce que tu as mis un message, peut-être, Muriel, que je n'ai pas vu? Oui, effectivement. Donc, il n'y a pas de partie graphique, je pense.
Donc, sur la landing qu'on avait vue ensemble, accroche, explication, etc. Donc, ça, effectivement, c'est une bonne façon d'introduire une landing page pour un utilisateur. C'est même encore plus important que ça, c'est du copywriting. Donc, c'est vraiment cet art d'aller accrocher les personnes avec ce qu'on appelle des catchphrases en anglais. C'est très pompeux comme terme. Mais voilà, c'est sur des pages de type landing qui sont plus des pages publicitaires. Pas des home pages. Généralement, c'est vraiment le copywriting qui fait tout, et au final, la direction artistique et le design, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important. Ok, il n'y a pas de partie graphique, Marielle, désolé. C'est pour ça que je cherchais. Donc, sur le wireframing, en tout cas, titre H2, tout ça, c'est bien. Moi, j'aime bien quand on met un peu des notions de HTML dans ces wireframes. Je trouve que ça aide les gens aussi et les développeurs parfois à se projeter. Du calendrier, non. Donc écoute, bah, bravo pour tout le travail du X. Alors moi, c'est vrai que c'est la partie du travail que je fais moins, parce que moi, c'est plus la conception d'app qui m'intéresse. Mais s'il y a des amoureux de l'UX plus que moi de la recherche UX, je sais qu'il y en a dans le chat. N'hésitez pas à aller voir. Et oui, je vais regarder l'expérience map tout de suite. Après, encore une fois, Muriel, c'est moins ma spécialité, moi, cette partie-là de l'UX. C'est moins ce qui me fait vibrer, j'avoue. Donc, awareness, consideration, decision. Okay. Donc, customer, écoutez, donc, des amis, je vais compa donc, entendre parler de l'offre, la comparer et voir les alternatives, qui est effectivement un comportement utilisateur classique. Vouloir créer un calendrier digital pour ses enfants. Again for family share experience. Ok. Donc, touchpoints, word mouth, social, website. Donc, ça, effectivement, c'est les points là, par où est-ce que je vais attraper mon utilisateur. Considération, pareil. Donc, la considération, je pense que dans ce cas, Muriel, c'est toute la partie notoriété qui est importante aussi. Décision, email, website, word of mouth. Ok. It's a bit long to fill. Ah, ok, bien vu. Donc là, l'utilisateur a peur que ce soit trop long. Choisit facilement son item pour la création. Il veut surprendre son meilleur ami. Donc là, il est content parce que c'est hyper simple. Bien vu. Bon, après, voilà. Moi, les empathy maps, pour moi, c'est toujours des choses qui restent très, très théoriques. Et c'est vrai que j'ai du mal à lire ça. Mais en tout cas, c'est vraiment cool. Les KPI, donc, pour ceux qui ne savent pas, les KPI, ça va être les indicateurs de performance qui vont nous dire est-ce que mon but est atteint. Vous trouverez des KPI aussi dans les design systems. Il y a plein de choses dans lesquelles, en fait, on va mesurer l'impact de notre design. Donc, n'hésitez pas à voir le prototype de Muriel. Si vous voulez, je vous mets, hop, le lien dans le chat, si vous voulez aller jeter un oeil à toute la démarche UX, c'est top, Muriel, c'est vraiment top. Après, ouais, je pense que j'aime pas trop juger ça parce que c'est beaucoup moins ma spécialité. Voilà, moi je fais plus des applications et je viens plus généralement après les gens qui ont fait leurs petites empathy maps. Mais voilà, ceux qui me connaissent que savent que c'est pas forcément mon point fort, on va dire. Mais félicitations, Muriel, pour tout ce boulot. Il me semble que c'est Tanguy. Oui, salut Tanguy, vu que tu étais là dans le chat. C'est incroyable, Tanguy, les progrès. C'est ouf. Franchement, c'est vraiment ouf. Donc, du coup, bah, je vais commencer à être un petit peu plus dur avec toi. Parce que c'est incroyable les progrès là, en 3 mois. Donc, je vois que ça bosse dur et ça me fait super plaisir. Donc, allons-y, Tanguy. Je vais d'abord regarder le proto à plat. Et je vais regarder le proto à plat. Et ensuite, on passera en mode proto. Lutin farceur, nos calendriers, thèmes connectés. Attention ici, il y a une petite merdouille d'alignement. Alors pourquoi? Tiens, mais si t'es là, si tu allais, si t'es là, tu veux me donner accès. Tanguy, est-ce que je peux faire un Ask to Edit? Ah non, je peux pas, zut. Sinon, je l'aurais bien pris en main. Ah si! Ah ben si, je peux bouger. Alors allons-y, Tanguy.
Ça, c'est un auto-layout que tu as oublié de centrer. Et ça ne marche toujours pas. Pourquoi? Parce que je pense que tu as. Voilà. Si c'est pas centré non plus. Ah, pourquoi t'as ferré en bas? Ok, t'as ferré en bas parce qu'à mon avis, tu as trop 24-20. Ok, t'as trop. Donc attention à ces options de texte. Les touchez pas trop les options de texte de Figma ici, je vous déconseille. Ça sert dans de rares cas, honnêtement. Donc voilà. En fait, c'est pourquoi je te dis ça, parce que j'ai tout de suite vu que ici, là, l'icône n'était pas alignée avec le reste. Et là, ça m'a l'air un peu plus clean. C'est pas parfait, mais voilà. Ok, donc ça, c'est rien. Ensuite, sur cette silhouette, elle est vachement bien, mais c'est trop chargé. Et du coup, blanc sur blanc sur l'illustration, on voit plus rien. J'ai voulu mettre l'icône profil dans l'auto layout, mais il se met à gauche. Alors, ce qu'il faut que tu fasses dans ce cas-là, alors là, il est bien à droite d'ailleurs. Ouais, en fait, tu pourrais mettre là. Hein. Pourquoi tu ne le mets pas d'ailleurs avec le reste? Tu pourrais. Donc, pardon, je reviens sur l'illu. Ça, en fait, le menu, c'est juste une histoire de space between. Mais je refais des masterclass bientôt sur Figma. Donc, tu le sais maintenant. Donc, pour les fêtes de Noël, personnalisé. Donc, ouais, je te disais, l'illu est un tout petit peu chargé, mais cela dit, elle est très jolie. Donc, ce que je ferais si j'étais toi, alors je vais pas retoucher tout le vecto parce que ça va être ultra long. Est-ce qu'elles sont vraiment utiles ces montagnes? Ah, attends, avant de tout casser, je vais juste dupliquer la planche. Hop. Sinon, je vais me faire tuer. Voilà. Est-ce qu'elles sont utiles ces montagnes? Peut-être pas en fait. Ouais, je pense qu'en fait, non. Ok, déjà, j'y vois un peu plus clair. On peut essayer de tout ferrer à gauche. Ça demanderait quand même un gros travail sur toute l'ILU. Bon, t'es pas loin. En fait, ce qu'il faut, c'est juste que t'aies rien qui gêne la lecture de ça. Donc, à mon avis, ça tient surtout à remonter ce bloc ou baisser un peu tout ce qui se passe ici. Et je pense qu'en fait, ça marchera très bien, tu vois. Ensuite, sur tous tes petits points derrière, toutes tes petites ellipses là, alors, je vois si je peux choper tout le groupe d'un coup. Où est-ce que c'est? Hop, flocon. Tu vois, en jouant sur les opacités. Alors, ça, je te le conseille de le faire avec un plugin qui s'appelle Confetti. Tu peux créer des cercles et en fait, il va automatiquement t'en faire plein d'autres suivant les options et ça te permettra de générer des opacités aléatoires. Ça, c'est pas mal aussi. Donc voilà, Confetti, c'est un petit plugin. Est-ce que je l'ai encore installé? Je l'installe, je le désinstalle suivant les besoins, le plugin, parce que j'en ai tellement. Ah ben, merde, je sais pas pourquoi ils affichent. J'ai que des bugs sur Figma en ce moment. Bon, je sais pas. Je crois que je l'ai installé. Ensuite, c'était avec un gradient. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais. Ouais, alors la Crimson, moi je l'aime bien, elle est sympa. T'as un peu trop forcé, je trouve, l'interlettrage. Alors moi. J'ai toujours tendance à mettre les dégradés en premier, je trouve que c'est plus logique. Mais bon, c'est très personnel. Bon, je sais pas, je n'ai pas vraiment d'avis sur ça. TCTA marche bien, mais en fait, c'est pas le problème de la Crimson, c'est que même en bold, elle est pas très bold. Et voilà, du coup, pareil. Comme il y a beaucoup de détails dans ton illustration, c'est pas forcément facile à lire, je trouve. Ultra chouette, tout ce composant là, avec les chiffres en 3D et tous les lutins. Juste le dégradé de background, je trouve qu'il est un peu tristoun. Le gris, la noire, c'est un peu dommage. Ça, par contre, c'est top. Par contre, je ne comprends juste pas pourquoi tout n'est pas. Pardon. Je suis sur le navigateur. Tout n'est pas aligné à gauche. Je déteste travailler sur Figma dans le navigateur parce que vous voyez, tous les raccourcis clavier ne marchent pas. Voilà, et puis n'oublie pas de faire un petit auto layout, même pas. Pas obligé. Voilà, ça me paraît déjà plus logique. Et ensuite, de bien équilibrer la hauteur de tes blocs aussi. Donc là, c'est surtout cette image. Ok. Je vais faire un truc un peu bourrin, mais. Bon, faudrait mieux rogner l'image ou la refaire, mais en tout cas, trouver un autre cadrage et que ça respire un tout petit peu plus. Et que ça aille habiller un petit peu plus. Je me demande si en fait. De l'avoir dans l'autre sens.
Ouais, en fait, ce serait plus logique de l'avoir comme ça. Bon, après, c'est chiant, faut que tu retournes tous les numéros. Mais tu vois, il y a une meilleure dynamique, pardon, qui est induite par ce mouvement-là, qui emmène vers l'extérieur de la page, plutôt que ça, où du coup, à l'inverse, je trouve que ça fait un peu fuiter l'œil vers le haut. Donc, pensez à ça quand vous travaillez l'iconographie. Alors, ça, c'est plus des méthodes un peu avancées, c'est voilà, il faut. Mais. Voilà, je trouve qu'il y a une meilleure dynamique, dis-moi ce que t'en penses, Tanguy, vu que t'es là, mais je trouve qu'il y a une meilleure dynamique quand l'image descend, tu vois, ça entraîne, ça donne plus de dynamisme à l'ensemble que de l'avoir, si je fais Shift-H, donc comme ça. Voilà, petit conseil, ça c'est un grand, grand, grand classique. Ce bloc-là, j'ai quasiment rien à dire, il est très chouette, et il me semble que tu reprends peu ou prou les mêmes arrondis, effectivement, ici, donc ça, pareil, c'est top. En panne d'inspiration, schlac, je vérifie juste. Donc ça, Tanguy, si tu veux pas t'embêter, bon, du coup, on l'a vu ce matin en workshop, tu sais que maintenant, c'est un auto-layout centré et en space between, et du coup, ça merdouille, je sais pas pourquoi, je dois avoir des trucs qui sont beaucoup trop grands. Ok, pardon, il en manque. Bon, tu le referas, pardon. Ah, ok, c'est parce que cette frame-là était pas dedans. Voilà. Donc ça, en fait, si vous voulez pas vous embêter, voilà, c'était bon, c'était en space between. Schlack. Voilà. Parfait. J'aime bien, tu vois, c'est CTA, je trouve ça assez fin, et c'est une bonne manière de terminer un bloc. Cela étant dit, ça fait quand même, je trouve, à force, beaucoup de typographie avec empattement, et je me demande si tu ferais pas mieux. Hop. Bon, on va passer le truc le plus bateau du monde, mais typiquement de la Montserrat. C'est bien monotypo, mais alors du monotypo sur des typographies un peu. Enfin, deux typographies un peu fortes. Voilà, c'est un peu chaud. Ensuite, un enchaînement de blocs qu'on verra plus généralement, c'est ça. Ce que j'ai fait. Hop. Donc. Voilà. Parce que pareil, si je vais tracer mes flèches. Ici. Et bon, je sais pas comment ça passe pas d'air. Voilà. Mais en tout cas, ça emmène plus et j'ai plus cet entonnoir que je vais aller chercher. Et voilà. Les petites gardes ici, elles sont très sympas, mais pareil, pas besoin d'aller mettre des grosses ombres portées comme ça, franchement. Je trouve que ça apporte pas grand-chose. Moi, ce que je préfère sur les choses comme ça, c'est où tu mets une border. Et on va prendre du, je sais pas, du D. C'est léger, tu vois. Et je trouve ça plus joli, honnêtement. Là, la typo, tu vois, ça, tu peux pas garder des typos comme ça quand ça me merdouille. Alors, c'est comme ça qu'on voit si une typo est bien ou mal foutue. Oui, il y a deux typos, pardon, Tanguy, mais il y a deux typos un peu complexes. Et ça, tu vois, quand tu vois des typos comme ça merdouille sur les chiffres, ça se voit là sur la ligature du 2 et par rapport au 9. Ça, vous oubliez tout de suite parce que c'est pas, c'est impossible à intégrer. Enfin, voilà. Donc ça, vraiment, je vous laisse sécurité, vous prenez des typos bateau, mais sur les chiffres, surtout si vous travaillez à l'international, les dollars sont avant pour les Américains, enfin voilà. La façon de traiter le pricing n'est pas du tout la même, que ce soit des virgules, des points, etc. En Europe, on utilise des virgules, beaucoup de pays étrangers utilisent le point. Donc soyez rigoureux là-dessus et partez pas sur des typos fantaisistes, parce que ça risque de déprécier la lecture de l'information. Donc attention à ça. Et voilà, je trouve que c'est beaucoup plus joli, tu vois, avec juste une petite border grise comme ça. Ce que tu peux faire, c'est option commande C, option commande V. Ah merde, ouais, ça marche pas sur mon navigateur, désolé. Option commande C, option commande V, copier-coller le style. L'origine des lutins farceurs. Ah ok, j'avais pas vu. Ta pattern, elle devrait pas passer ici. Je pense qu'elle sert même à rien. Ou alors, juste vraiment comme ça, tu vois. Et fais respirer ton bloc. Ça devrait être plus petit, ça devrait prendre un peu moins de place. T'as déjà l'image qui est très prépondérante. Prépondérante. Hop. Est-ce qu'il y a un auto layout là-dessus? Yes. Hop, et voilà, perds cette habitude de mettre tes textes en haut. C'est une mauvaise habitude. Voilà, et bien te mettre en mode paragraphe hauteur automatique. C'est pour ça que ton auto-layout ne marchait pas bien. Et si tu double-cliques ici,
Hop, ah non, pardon, c'est sur l'autre mode de texte. Non, si, tu double-cliques, mais voilà, et tu laisses des espaces blancs. Attention à ça. Voilà, et peut-être que là, du coup, ça mériterait un vrai CTA. Allez, on passe en mode proto. Sinon, on va finir à 20h. Ah, t'as fait les encres, bien vu. Donc ouais. Ça, c'est un effet. Tu les as fait. C'est dommage, tu les as fait en automatique. Tu pourrais les faire en. Pour que ça slide vraiment normalement. Il me semble que ça marche. J'avoue que c'est un truc que je fais jamais sur Figma. Du coup, ouais. Bouton en plane, bouton en gradient, ça me choque un petit peu. Je préférais, c'est vrai, avoir un seul style. C'est compliqué, je trouve, les boutons. Enfin, tu mélanger deux styles comme ça, c'est toujours un peu galère, je trouve. Ce bloc-là, j'en ai parlé, donc effectivement, la dynamique de l'image. Même en descendant la page, et c'est comme ça qu'on s'en rend compte, est meilleur, je trouve. Ce bloc-là est parfait, il est très sympa. C'est très bien, tu vois, d'avoir fait dépasser les personnages des cercles. C'est quelque chose qui apporte beaucoup de dynamisme au bloc. Donc voilà, ça marche bien. Donc ce bloc, j'ai retravaillé, mais effectivement, restretch un petit peu, mais c'est cool. Les encres, Muriel, c'est le fait d'emmener dans une autre section de la page. Ça s'appelle une encre en HTML, en fait. Et le bloc du dessous. Ah pardon, il y avait le texte qui. Ok, bon, j'étais un peu fait merdouiller ton proto, Tanguy. Mais hyper chouette cette page. Et du coup, est-ce qu'on a tout vu? Oui, hein. Oh, c'est toi qui as fait ça? Dis-moi, Tanguy, c'est toi qui as fait ces magnifiques dessins? Trop stylé, j'adore les gens qui dessinent bien. C'est ouf. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas vues, Tanguy? Je vois 8 pages. Oui, on n'a pas vu le. Ah oui, on n'a pas vu le bas d'une page tout à l'heure. Voilà. C'est ça que je voulais voir. Quand même, qu'on regarde le calendrier. Alors, conte de Noël, musique. Ah, avec un petit slider horizontal. Chouette. Bon, donc slider horizontal, c'est juste une frame hein, qui est plus petite que le contenu. Bien vu ça. Attention, tu vois, t'es très à ras de tes blocs. N'hésite pas à mettre du padding pour bien les faire respirer. Je suppose que tu n'as pas fait à partir de la frame qui comprend le point d'interrogation et le titre. C'est à partir de ça en fait qu'il faut construire le reste. Et fermer les thèmes. Alors là, il faut que tu fasses, quand tu fais ça, tu as une fonction keep scroll position. Pour que tout reste bien à la même place. Et donc ça, c'est le calendrier. Attention au contraste parfois. En tout cas, c'est chouette. Bah bravo Tanguy, hein. Un grand grand bravo. Cette fois, je crois que j'ai tout vu. Ouais, j'ai tout vu. Bah écoute, félicitations pour tout ce travail encore. C'est vraiment top. Bravo, bravo à toi. Et j'espère que tu vas participer au challenge crypto. Milou, Danou, et puis on terminera par Manon. Milou, je t'ai vu dans le chat, il me semble. Donc salut et puis bienvenue à toi, puisque c'est ta première participation et c'est une super belle première participation. Alors j'essaie de faire des commentaires à tout le monde, mais en fait j'ai pas souvent le temps. Donc, je suis désolé, mais Milou, il me semble que je t'en avais fait sur l'application. Qu'est-ce que je t'avais dit? Ça va me remettre un petit peu en mémoire. Donc, premier challenge, hyper heureux, on est hyper heureux que tu participes aussi. Format mobile app, ouais, donc voilà, effectivement, Milou, t'es le dernier à avoir connu ces briefs un peu compliqués, mais du coup, on vient des briefs plus simples maintenant. J'ai dit layout clair, précis, hiérarchisation typo, prototypage, menu un peu simple, n'hésite pas à prendre plus de place, couleur un peu triste pour Noël. Ok, ouais, bon, t'es sur un style qui est assez sympa, c'est vrai que ça fait beaucoup plus pro, voilà, c'est plus web app et tout. Donc ces effets de menu, ça marche très bien, Miloud, c'est bien vu. Comment est-ce que c'est fichu?
Je suis en vue au nid. Je ne peux pas le manipuler. Alors, il faudrait du coup que je puisse le manipuler. Généralement, je me demande si ce bloc gris, tu n'as pas intérêt à le mettre ici, à gauche, derrière la typo. Je ne sais pas si tu as essayé d'inverser les deux. Tout en gardant. Alors, ce serait bien que tu retrouves un peu comme ce qu'avait fait. Qui était-ce? Cyril, pardon, avec son buis, tu vois, si tu arrives à retrouver une image comme ça, tu la mets juste sur la droite. Et peut-être que ça te permettrait de faire un autre contraste un peu plus intéressant, mais globalement, ça marche bien. Pourquoi je te dis ça? Parce que là, en fait, tu simules un cas idéal qui est j'ai juste 4 items dans mon menu, j'ai 3 items ici, plus le CTA, donc potentiellement, ça sortira jamais du bloc gris. Mais il suffit que on traduise ton site dans une langue un peu à rallonge, type le polonais, l'allemand, et rien te dit que comment ça marche, ça prenne pas beaucoup plus de caractères en allemand, et du coup ça va péter ta créa parce que ça va sortir. Ok, c'est vraiment des choses où quand ça vous arrive une fois, vous retenez. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais tout jeune, hein, quand j'avais 20 ans. Et effectivement, avoir une appréhension des langues potentiellement utilisées, c'est toujours des questions à poser si un jour vous faites des apps. Voilà. En tout cas, c'est très chouette, c'est très épuré. La typographie, c'est de la impair, qui est une typo que j'aime beaucoup. Donc bravo pour ça. On va regarder après. Prochaine ouverture dans 18,53 quoi heure, je suppose, mais il faut juste rajouter une idée. Donc je te disais, ouais, menu un peu simple. Je dis ça parce qu'en fait, par rapport au reste de l'app, tout est plutôt cool et un peu travaillé. Là, du coup, je me suis dit, bon, il y a vraiment les trois textes posés comme ça. Bon, pourquoi pas, mais je pense que tu pourrais du coup faire un petit peu mieux, mais après, c'est déjà cool. Hein. Du coup, comme c'est très bien aussi, Milou, je vais te titiller un petit peu. Je t'avais dit attention au layout. Effectivement, si je regarde ici, tu vois ton icône, en fait, si c'est elle qui représente la fin de ton layout, elle devrait fermer comme le bord droit de l'icône ici, alerte. Donc ça, c'est vraiment tes deux lignes qui font le margin de ton écran. Sur mobile, prenez toute la place qui vous incombe parce que ce sont des beaucoup plus petits écrans et notamment sur des components calendriers comme ça, bah c'est cool, tu vois, si tu as vraiment de la place. Donc en fait, il te manque à vue de nez, je sais pas, hein, 10 pixels à gauche et 10 pixels à droite, mais pour que vraiment ton composant prenne tout 100%. Est-ce que je peux afficher le layout? J'utilise jamais le mode inspect de Figma, j'avoue. Parce que si je fais CTRL G, ça marche là-dessus. Non. Voilà, mais n'hésite pas, Milou, d'apprendre la place. Et puis pareil pour ton CTA, tu vas vraiment aller tirer pour que ça vienne vraiment donner un appui au bas de ton écran. Fais la modif et tu verras que ouais, ça marchera un petit peu mieux. Parce que pareil, tu crées un tout petit décalage, en fait, un tout petit entonnoir comme ça, et c'est pas très bon. Et je te disais couleur un peu triste. Alors après, c'est triste, mais c'est classe, hein, ça marche bien, mais c'est du noir, mais ça manque peut-être un tout petit peu plus. Ton jaune ici, là, tu pourrais le réutiliser un peu, je sais pas, mais essaye. Titre du jour, ok, parfait, les inputs très sympa, rajouter une vidéo, le bouton d'upload. Ouh là là, je vois un truc qui traîne ici, attention. Donc ça, on va le découvrir pour le prototype, je pense. Salut Lucia, t'es très belle. Donc pareil, il y a beaucoup, beaucoup de doom reporté. C'est joli, mais en fait, si tu veux, il faut parfois savoir quand les utiliser et non. Input, bloc texte. Du coup, je te conseille de faire un choix et de peut-être essayer de supprimer l'ombre portée sur le bloc texte. Surtout que là, tu vois, j'ai mon nez qui fuite. Je vois que tu traites un bloc tout sur un fond gris. Donc en fait, pareil, comme je disais tout à l'heure, choisis un peu tes combats et fais attention à pas trop multiplier les styles. Si tu veux, un style graphique implique normalement une action et un comportement. Et tu peux pas parfois utiliser ombre portée, parfois non, suivant le type de composant. Honeymoon, vidéo, ça c'est hyper chouette. Enfin, c'est très beau, graphiquement c'est très sympa, c'est très simple, mais c'est très joli. Même ce petit effet un peu hublot sur la vidéo et tout. Top. Voilà, ça manque un peu de navigation, j'aurais peut-être aimé voir comment est-ce que tu traites, par exemple, la navigation pour passer d'un jour à l'autre. Vu que tu simules une application assez simple. Je t'invite peut-être maintenant que, après les commentaires, à la complexifier un petit peu. Mais ça, c'est trop beau, là, toute la petite mock-up que tu as faite avec l'incruste et tout, bravo. Franchement, hyper chouette, Milou. Et du coup, je vais passer en mode proto. Donc voilà, typiquement, la variation typographique ici, elle est très bien vue le lundi 6 décembre en italique et en bold.
très chouette. Est-ce que je suis bien au début du proto? Et si oui, est-ce qu'il y a des liens? Tu as prototypé ça? Non. Dis-moi, Miloud, dans le... Ah, il n'y a pas de lien, ok. Ok, pas de souci. Pas de souci. Est-ce que tu veux faire, Miloud, tu veux t'entraîner à faire du prototypage, par exemple, tu vois, c'est 58, 93, etc. C'est faire un système de colonnes de chiffres qui montent et qui descendent. C'est hyper simple à faire. Il me semble qu'il y a pas mal de tutos sur YouTube. Mais voilà, faire une petite animation avec les chiffres qui montent et qui descendent. Ça marcherait bien. En tout cas, bravo pour ta créa. Bah écoute, il manque plus que le prototypage, mais c'est hyper chouette. T'as beaucoup de goût et c'est plutôt très très propre. Donc voilà. Félicitations pour ta participation. Et on passe et on termine avec Manon. Je crois que je t'ai vu Manon aussi dans le chat. J'espère que tu vas bien. Ouais, bon, allez, on a tous trop kiffé ta créa, elle est vraiment chouette. Donc félicitations. Félicitations, Manon. Je vérifie juste qu'après, c'était la dernière. Oui, j'ai vu tout le monde. Ok. Félicitations, Manon. Bah, c'est top, hein, comme d'hab. Donc, on va aller chercher la petite bête un petit peu. Ouais, ça, c'était ouf. Ouais, attends, c'est toujours un peu chiant sur Figma. Faut peut-être qu'ils prennent les cookies. Voilà, qu'on voit toutes les animations quand même. On se la refait. Vous pouvez aller sur l'application et naviguer sur le proto de Manon. Il y a plein plein de petites animes comme chez Tanguy. Hyper bien vu. Voilà. Tu pourrais limite en faire un. Ah bon, après c'est long à faire un hein, Manon, donc je me doute que pour le challenge, ça vaut pas la peine. Mais tu sais, ça après tu peux l'animer en type animation de type delay. Donc tu fais varier tes opacités de petites étoiles. Et voilà. Et pareil, tu peux faire des trucs assez sympas. Voyager dans le monde du Père Noël. Personnaliser votre calendrier de l'Avent. Ça manque un tout petit peu de line 8, un ou deux points, je pense, à vue de nez. D'accord? Mais c'est rien du tout. J'ai dit que j'allais te chercher un petit peu, créer votre carnet en trois étapes. Pareil, tu vois, là, tu pourrais rajouter à droite un petit élément en opacité, mais un truc qui vient combler un peu le negative space. Un élément en parallaxe, ça pourrait être pas mal de choses, tu vois, ou juste le petit but là, que tu as utilisé, juste le recaler par exemple à cheval sur les deux blocs. Mais trouver un petit truc pour l'habiller, là, tout ce qui se passe à droite, parce que ça raconte pas grand-chose. Même si c'est voilà, c'est compliqué parce que tes illustrations, le style graphique, les petites cartes comme ça là avec les biseaux, tout ça c'est déjà énormément de travail graphique et tout l'art ensuite d'aller habiller le background et c'est le plus compliqué au final c'est bah, d'aller trouver ce qui va pas non plus perturber la lecture du reste. Donc je sais pas si vous avez vu les petites animations, découvrez nos surprises, ça c'est vraiment top. Pareil ce bloc, vraiment super chouette. Ah pardon j'ai spoilé encore décidément. Désolé Manon, j'y retourne. Ouais, tout le monde est dithyrambique dans le chat. Non, non, c'est vraiment chouette ce que tu as fait. C'est vraiment chouette. Ça marche très très bien, mais n'hésitez pas à aller mettre des commentaires. Vous mettez des commentaires, vous marquez des points. Je vais m'occuper aussi là bientôt de clarifier un peu tout ce que vous gagnez et tout. Ça sera des box et des réductions sur les masterclass, a priori. Et voilà, et ça serait cool aussi que pour la prochaine fois que si quelqu'un veut co-animer la review avec moi, ça sera avec grand plaisir. Qu'est-ce que c'est long Figma parfois? Allez, on y retourne. Donc les petites animations. Donc ces cartes, elles sont hyper chouettes. Non, rien à dire, ça marche très très bien. Les couleurs sont chouettes aussi. T'as une belle palette. Trop mignon l'animation avec le petit renne. Et le footer qui est chouette. Non, franchement, bah écoute, pas grand-chose à dire, Manon. Voilà, ça manque un peu d'habillage dans le fond, c'est tout. Mais je pense que c'est surtout le temps que tu peux y consacrer, que tu peux et que tu veux y consacrer. C'est déjà énorme tout ce que tu as fait. Ça, c'est carrément des projets que tu peux mettre dans ton book, hein, n'hésite pas. Je sais pas où tu en es, mais si tu cherches du boulot. Oh, attendez, on va re-regarder cette sublime animation. Ouais, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment pousser les limites de Figma, quoi. C'est vraiment cool. Explore notre planète en glissant vers la gauche. Ah, trop chouette. C'est une super bien vue comme utilisation du. Voilà, tu t'es vraiment donné, Manon. Le concept est super chouette. C'est une très bonne utilisation de la parallaxe. Hop.
Cherche le numéro 1 et découvre ta surprise. Alors, cherchons le numéro 1. Que je ne vois pas. Il est au début ou pas? Non, ça... Ah, il est là. Non, c'est incroyable. Ah ouais, j'avais adoré ça. Non, franchement, c'est ouf. C'est ouf, ce petit jeu. Même si ça marche pas super bien sur Figma, sur des trucs, je trouve que quand on essaie de le faire comme ça, c'est incroyable. Franchement, bravo. Bravo Manon, du coup. Hop. Ah, franchement, c'est ouf. Ah, c'est hyper bien vu. Franchement, ouais, c'est hyper réaliste. Je ne sais pas combien de temps tu as passé à faire tout ça, mais je pense un peu comme tout le monde, je suis un peu bluffé, quoi. Du coup, je vais vérifier. Est-ce que j'ai tout vu, Manon? Dis-moi. Est-ce qu'on a tout vu? Ouais, franchement, ça, c'est dans le Hall of Fame des prototypes. Faudrait qu'on s'en occupe de faire ça un jour. Ah, j'avais pas eu ça. Pardon, Manon. Ok, c'est ça qui lance le jeu. Ouais, franchement, attrape tes cadeaux. Et puis j'aime bien, tu vois, ce screen est très beau. Enfin, il est top. Tu vois, le fait que tu fasses venir des instructions, qu'elles disparaissent et tout. En plus, c'est vraiment. Ah putain, c'est vraiment deux animes indépendantes que t'as faites, quoi. Ok, comme je suis dans le browser, je pense que c'est pour ça que je suis dans mon navigateur, c'est les flèches font avant et arrière. Non, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Je suis bluffé. Suis vraiment bluffé. Écoute, félicitations. Manon, il me semble que j'ai tout vu, du coup, là. Il me semble que j'ai tout vu. Félicitations, Manon. C'est juste incroyable. Si tu n'as pas encore reçu de t-shirt Kakato, il me semble que tu as un t-shirt Kakato. Et si tu n'en as pas, tu me fais signe et j'en envoie à tout le monde. Donc, Miloud, Muriel Tanguy, je sais plus si vous êtes servi. Cyril, pareil, tu me dis. Mais c'est vraiment, vraiment top. Il reste le flux de personnalisation. Ah, pardon, est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas vu, Manon? Ah, yes. Attendez, on y retourne. On retourne, on va quand même faire honneur au proto de Manon, ça serait dommage avant de se quitter. Est-ce que vous avez des questions dans le chat ou des trucs sur lesquels vous voulez revenir sur vos protos? N'hésitez pas. Sinon, on peut se laisser des commentaires sur l'application. Le seul truc, c'est que je ne sais pas quand je vais poster le replay, parce que vu que c'est sur Twitch, j'ai un peu la flemme parfois de refaire le montage derrière. Donc, si parmi vous, il y a des amateurs de Premiere Pro d'ailleurs, n'hésitez pas. Mais où qui serait bien que le projet soit développé, bah ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça serait chouette de développer un projet comme ça. Ah oui, j'avais pas vu ça, pardon. Ah si, ça on a vu. On refait le design. Non, ils sont pas annulés, Tanguy. Je vais les refaire. D'ailleurs, mais c'est juste que je fais vraiment en fonction de mon temps et je suis tellement, tellement débordé. En ce moment, et puis voilà, il faut bien que le studio vive, et faire des vidéos comme ça prend un ou deux jours par semaine, mine de rien. Bah tiens, je referai bien la tienne, Tanguy, tant qu'à faire. Je referai bien la tienne, parce qu'il y a du travail dilu, donc c'est plutôt intéressant pour moi, et puis là, vu que j'ai commencé, ça m'a lancé. Donc, je ne sais pas quand je la ferai, parce que ouais, c'est hyper dur pour moi de tenir le rythme des vidéos avec tout le boulot que j'ai à côté, les formations et tout, mais plus les challenges à organiser. Mais écoute, je garde ton fichier source sous la main, Tanguy. Comme ça, je referai au moins une ou deux pages, je pense, ouais, de ton proto, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. C'est un proto qui est quand même très bon, et du coup, il y a des petites choses à dire qui font que ça sera vraiment, vraiment parfait. Et c'était ça, la personnalisation dont on parlait, choisir un décor. Un personnage. Non, c'est ouf. Félicitations. Félicitations. T'as fait les animations sur Fable et sur Figma? Bah oui, Fable, on en avait parlé.
Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de Fable, Manon? C'est pas mal, hein, moi j'ai regardé. En fait, je travaille pas mal avec le Vecto et j'ai eu des merdouilles quand j'ai essayé d'importer du SVG. Je voulais faire une anime avec le logo KakaTOS pour rigoler et ça marchait pas ultra bien. Bon, je pense que c'est des petits défauts de jeunesse du logiciel, c'est pas bien méchant. Merci à tous d'avoir suivi cette review. On se retrouve le mois prochain pour la UI review du Challenge Crypto. Il y a déjà eu quelques participations, j'ai vu. Deux. Ah bah d'ailleurs, Cyril, tu es revenu. Donc top. On ira voir ça le mois prochain. Que dire d'autre? Ouais, je vais refaire un petit peu la home aussi pour que justement vous voyez directement quand vous vous connectez les dernières personnes qui ont participé, les dernières personnes qui ont commenté. Dans le leaderboard, je vais rajouter un top participant, un top commentateur, etc. Voilà. Honnêtement, l'app, ce n'est pas ma priorité pour l'instant, parce que pour l'instant, ça marche et pour une V1, ça fait ce que je veux faire. Mais ben voilà, ouais, Milou, il te reste un petit peu de temps. On est 13 janvier, donc tu as encore un peu de temps pour faire l'app crypto. Regarde ce qui a été fait. Ce n'est pas une app forcément compliquée, mais c'est une app intéressante en termes de composants parce qu'elle demande, mine de rien, la production de pas mal de components. Et c'est une bonne occasion de s'entraîner aussi à faire un peu de prototypage sympa, typiquement sur les graphes. Voilà. Faire jouer sur les lignes en vectoriel pour que les graphes bougent. Enfin, il y a des petites animes sympas à trouver. Sans trop se prendre la tête. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci à ceux qui regarderont le replay. Passez tous une très bonne fin de semaine et on se revoit bientôt. Et oui, l'app a été faite sur Bubble Miloud. Tout à fait. Ça m'a bien fait galérer d'ailleurs. Ça m'a bien fait galérer Bubble, mais ça va. Je m'en sors à peu près maintenant. Je suis pas du tout un pro, mais c'est une super app. Voilà. Pour répondre à ta question. À bientôt, Miloud, à bientôt, Cyril, Clémence, Tanguy, Muriel et tous ceux qui étaient là, Manon, bravo à tous pour vos participations et puis on se retrouve le mois prochain. Guettez le site de KakaTOS, je vais bientôt publier les prochains workshops live. J'en ferai encore deux ou trois, je pense, ce mois-ci. Donc voilà, si vous voulez assister au workshop live de KakaTOS, n'hésitez pas à guetter tout ça. Très bonne fin de semaine et à bientôt. Ciao!